C'est une histoire qui a beaucoup touché les, les auditeurs d'RTL ce matin et qui l'ont manifesté au 3210. 10 Yves Calvi, vous recevez le maire de Marly, Fabien Thieme. Bonjour Fabien Thieme. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de notre bureau de Lille. Vous êtes le maire de la commune de Marly, comme vient de le rappeler Laurent. Le 31 mai dernier, un terrible accident de la route coûte la vie à un couple et à un de leurs fils. La famille était originaire de votre ville. Le couple et ses dix enfants s'apprêtaient à s'installer à Pau. Vous avez décidé de venir en aide aux neuf orphelins avec un appel aux dons qui émane de vous, de la mairie. La décision allait de soi. La décision, elle est effectivement de soi. C'est Marly, c'est le Valencienois, c'est le nord, c'est la région. C'est tout simplement un acte qui s'imposait, qui touche à la solidarité agissante auprès et en direction de neuf orphelins, dont quatre... Sont mineurs actuellement. Où en êtes-vous Est-ce qu'on peut encore vous aider et, et comment on réagit de façon plus générale vos administrés, les habitants de Marly Eh bien pas plus tard qu'hier soir, j'organisais un conseil municipal qui était prévu déjà dans le temps. Et immédiatement, c'est un appel à la solidarité en direction des associations sportives, culturelles, monde combattant que je réunirai très prochainement. Deuxièmement, depuis ce matin et depuis hier, les coups de fil se multiplient en mairie, au centre communal d'accueil. Sociale pour dire nous sommes pour aider ces enfants, pour les entourer, pour faire en sorte que cette famille qui vient d'être durement frappée par la perte des parents d'une cinquantaine d'années et de l'un des enfants de quatre ans puisse voir la solidarité. Je rappelle également que l'un des enfants, une fille, a actuellement été opérée à sept reprises et que. L'incidence financière risque d'avoisiner entre 30 et 40 000 euros. Alors, justement, on a des nouvelles à vous demander hein, de cette petite fille qui s'appelle Zélia. Elle a 6 ans, elle était avec une de ses soeurs dans la voiture. Elle est hospitalisée à Valenciennes. Que, 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 quelles sont les nouvelles Quelles sont les perspectives la concernant On a des nouvelles rassurantes sur euh, notamment son état de santé. Il n'en reste pas moins, comme je le disais, opéré cette fois. Euh, du point de vue du coût, cela est. Euh, une addition inimaginable et à charge des enfants, ce qui est scandaleux. C'est pourquoi immédiatement avec la famille, j'ai tenu à lancer un appel, comme on dit, régional, national, à la solidarité financière et matérielle. Vous venez de dire scandaleux, vous l'appliquez à quoi ben écoutez, cette famille qui a eu cet accident le 31 mai, jusque la période du 11 juin, il n'y a plus aucune couverture, notamment en ce qui concerne la CMU et donc les mutuelles. Vous voulez et dire que la mobilisation dont vous faites l'écho ce matin sur RTL supplée aux, aux déficiences de nos couvertures sociales nationales Eh bien, il y a un problème. Il y a un problème, notamment auquel la famille est confrontée, et auquel, en tant qu'élu, je tiens, comme on dit, à, là aussi à clamer un coup de colère pour revoir ces textes, ces textes de loi qui doivent permettre à une famille de neuf enfants, neuf orphelins, et eh bien de faire face aux dures réalités de la vie. C'est pourquoi la solidarité doit se développer tous azimuts. Comment fait-on pour vous aider euh, Laurent le rappelait il y a quelques instants. Énormément de nos auditeurs appellent pour savoir, voilà, euh, comment ils peuvent tendre la main aujourd'hui à, à, à ces neuf enfants. Alors, en prenant contact et en apportant leur solidarité financière, oui. en mairie de Marly, les Valenciennes, deux, en adressant l'échec au Centre communal d'action sociale, trois, y compris en direct avec la famille, et troisièmement, nous sommes actuellement en débat avec notre percepteur pour réaliser les conditions matérielles, pour ouvrir, si pas une régie, faire arriver l'échec au CCAS de Marly. Et toutes ces informations sont bien entendu sur le site rtl.fr. Euh... Est-ce que cette famille va rester à Marly Est-ce que ces neuf orphelins ont l'intention de continuer et bâtir leur vie dans votre commune, monsieur le maire On est dans le cas d'une situation particulière où la justice pour enfants va devoir se prononcer. Euh, actuellement il y a déjà des enfants qui, sont, qui habitent, notamment la ville de Marly, qui travaillent dans des entreprises telles Toyota ou la solidarité s'est organisée ou encore Sevelle Nord. Il est question que les mineurs soient pris en charge et hébergés chez les majeurs. Je pense que c'est une bonne chose pour euh, regrouper, comme on dit, euh, toute cette famille, cette fratrie, en sens, je ferai tout ce qui est en ma possibilité, en ma possession, puisque je suis par ailleurs vice-président du Conseil général en charge de l'enfance et de la famille, pour favoriser ce regroupement familial. Vous aviez déjà été confronté à un, à un pareil drame à une époque, mon prédécesseur et j'étais élu en ce qui me concerne, euh, nous avons vécu un drame euh, horrible dans cette ville de Marly, avec notamment toute une famille qui a été frappée dans un accident de la route en région de Bourgogne, euh, où il y avait eu euh, six personnes qui étaient disparues. En, en vous écoutant, Monsieur thiémer on se dit que c'est dans, dans ce genre de circonstances que la mission du maire prend peut-être tout son sens se mettre au service des administrés et aussi créer des liens entre eux, parce que j'ai bien compris qu'on dépasse très largement le cadre de Marly dans la solidarité qui s'exprime aujourd'hui. Absolument, et je veux remercier l'ensemble des médias qui ont décidé immédiatement de relever le défi, d'apporter leur concours et qui sera décisif pour faire en sorte que la solidarité ne soit pas un vain mot. Et déjà, on témoigne et on démontre que de, des quatre coins de la France, les appels se multiplient pour venir en aide à cette famille. Pas plus tard qu'hier, des amis se réunissaient et décidaient entre eux de verser 1 euros. Un concert de la solidarité est proposé. Troisièmement, euh, il y aura des manifestations sportives, des galas de la solidarité. En ce sens, on ne sera jamais trop dans le pays. Pour récolter les fonds qui doivent avoisiner entre 30 et 40 000 euros total, voire 50 000 euros. Merci infiniment, Fabien Thiemet maire de Marly. Merci à Franck Hanson qui est à vos côtés, à nos auditeurs qui continuent aussi de se mobiliser, et qui peuvent retrouver des informations, je le rappelle, sur leur site de notre radio. Très bonne journée à vous, monsieur le maire. Merci à vous. Bonne journée à tous, Laurent. Merci, monsieur le maire. Merci, Yves. À lundi. À lundi.